Vendredi 19 janvier 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la CAO pour nous capable de voter pour vous. Dernière sortie téléjournal pour la semaine si là. D'ores et déjà, nous pouvons souhaiter tout le monde passer un excellent week-end, bien sûr, en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Bonjour Ruben et très bon week-end. Bonjour Ricardine, c'est toujours un plaisir. Le week-end arrivé, là, imaginez, nous parlons de petit temps de repos. Avoir bonne semaine de travail. Bien sûr. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous encore une fois matin pour capable présenter vos informations. Nous souhaitons passer un très bon vendredi. Ricardine des Anges, bon vendredi à vous même tout. Merci Ruben et quant à téléspectateurs, nous avons souhaité vous passer un très bon vendredi. Mais principal point cap pour faire essentiel le journal pour matin vendredi, séance pour monter commission permanente dans la chambre. Député a arrivé dans Boutli, Jean Saté prévoit à cause quatre blocs politiques pour rejoindre un consensus pour partager commission yo. Dans le Sénat République, la discussion a avancé entre différents blocs politiques pour formation commission permanente d'après sénateur Naroum Marcellus et sénateur Jacques Sauvergeant. L'autre information n'a gagné pour nous capable porter pour dans journal là opération pour régulariser les affaires vite tété avec Géofa après poursuivant pas bon ici dans le pays d'Haïti d'après ça secrétaire d'état pour sécurité publique là Léon Ronsard Saint-Cyr fait connaître. Et puis à l'étranger Sénat américain a gagné jeudi vendredi à minuit pour jouer un accord sur budget pays ici là. Si ça n'a pas arrivé fait, un pays États-Unis pas capable de payer fonctionnaires et puis agence fédérale a obligé fermer porte. Voilà, c'est ensemble pour ça qu'un pilote qui a fait essentiel le journal pour jeudi vendredi. Arrêtez branché chez nous, on a fait tourner un petit temps, tant pis pas déplacer. Bienvenue dans le développement journal là. Séance pour monter commission permanente dans la chambre députée a pas fini encore jeudi 18 janvier à cause quatre blocs politiques pas arrivé joindre un consensus pour partager les commissions yo. Une autre fois encore bureau a décidé renvoyer bloc politique yo pour capable aller chita encore pour entendre yo sous divers points. Président chambre député a dit espérer dans le week-end après gagner entente pour lundi pour bureau a fait conférence président pour chambre député a capable commencer travail extrême micro Fedner Confidar qui a Moïse Ulbridge. Formation commission faite par consensus. Donc nous avons privilégié consensus au lieu de l'élection. Donc il y a quatre blocs ici, il y a GPS, il y a APH, il y a GPEP, il y a OPL Vérité et Allié. Donc il y a beaucoup fin d'entendre, il y a des commissions que bloc attribué à la clôture. Mais il y a un petit problème toujours parce que les négociations sont beaucoup finies. Donc nous baillons bloc yo et demain pour joindre un accord sous désaccord pour que négociation continue pour que nous joindre une entente pour nous capable garantir concorde. Mais encore une fois n'a félicité tout député, n'a félicité population qui a voté des députés responsables jeudi encore qui viennent dans séance depuis à 11h qu'il a qui viennent travailler au profit de la population. Jou séance nous ici c'est mardi, mercredi, jeudi. Demain vendredi, par une séance, où on est le vendredi, député pour aller dans la circonscription, pour aller dans des activités coutumières, pour aller dans des activités communautaires. Donc, dans le week-end, nous connaissons le consensus là, qui est en juin. Donc, lundi, nous avons fait la première conférence des présidents nous, pour nous capables de prendre des dispositions pour nous faire séance, pour nous statuer sur des lois, sur des propositions de loi. Et n'a toujours été dans le Parlement haïtien sur le centenaire, mais cette fois-ci, nous allons aller dans le grand courant. Sénateur Noah Naouma Marcellus a critiqué le sénateur qui fait partie opposition dans le grand courant, qui t'a voulu imposer le royaume. Les demandé d'après ça, le sénateur a fait connaître quatre commissions qui sont importantes. Le sénateur Marcellus, qui vient pour présider la commission affaires étrangères, dit majorité a. Cap supporter président clair pas question pour minorité à imposer le royaume. Toujours dans Nico Fedner confident avec Moïse Ulbridge. Je remercie les collègues et sénateurs qui ont possibilité pour que moi mette expérience PAM comme sénateur dans la présidence de la commission. Et nous allons regarder les problèmes qui y a dans la diplomatie au niveau national, au niveau international, parce que nous regardons le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères. Problème budgétaire qui gagne, trop de monde, problème formation, et que Chili, République Dominicaine, Brésil,
Donc, nous allons regarder avec l'autre membre, et vice-président, c'est le sénateur Sildor, et le sénateur qui était le secrétaire rapporteur, que nous faisons monter bureau, pour nous garder, pour nous mettre plus dans la propulsion que le président a fait pour être redressé bac diplomatie. Pas de formation pour expérience. Expérience au-delà de formation universitaire qu'on gagne, libre aller, type pas, type pas. Cependant, le fait que je me démarre ça déjà, moi j'étais député déjà, et je suis un sénateur de la République, connaissance que je gagne en diplomatie, ça va permettre que, avec l'autre collègue, pour permettre que nous avançons. Matin, moi travaille avec les consultants, et ceci n'a pas travaillé sur un plan, et très bientôt, nous pourrons acheter avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'autorité qui, pour décider en ce sens, pour permettre que les décisions qu'on sur ça. Majorité présidentielle là, t'es dans l'élection, nous avons un comportement dans l'élection. Donc, si nous avons un comportement dans l'élection, et tout le monde est dans l'élection, nous dictons le comportement nous dans le vote par nous pendant un an. Et ceci nous dit clair que pendant tant d'affaires dans le Sénat, parce que la majorité présidentielle a renforcé le gouvernement par rapport à ligne d'orientation définie par le président de la République, et nous croyons qu'on doit aller. Bon, dis-nous, Bagay. Minorité a pagué pour décider qui commission pour le point, qui commission pour le pas point. Ou pas bam l'ordre pour dire c'est ça ou c'est pas ça. Pareil bah comme ça. Nous même n'a supporté président. Nous tout ou là qui dans majorité a nous tenons élection ensemble et n'a prêté ensemble. Nous t'es clair, nous t'a fait des concessions sous des commissions. Minorité a dit clair que yo dit que c'est un faut nous bailler affaires étrangères, faut nous bailler et agriculture, faut nous bailler et affaires sociales, faut nous bailler finances. Non. Nous avons décidé de travailler ensemble avec eux et nous décidé de faire. Cependant, le sénateur Beauplan est clair dans ce tableau. Il dit que c'est ça ou c'est pas ça. Toujours dans le Parlement haïtien, le sénateur Nord-Est Jacques Sauveur Jean allait dans le même sens avec le sénateur Naoum Marcellus. Le sénateur Jean dit qu'il espérait que les collègues dans la minorité n'ont pas pris conscience de la réalité. On a vite suivi une intervention. Il y a une intervention du sénateur Jacques Sauveur Jean. La minorité a dénoncé ça, je l'ai dénoncé dans Jean Pal. Mais moi-même, je vais me constater. Ou qu'a toujours besoin de faire la paix, ou qu'a toujours besoin de la paix, mais son bagage ou doit proposer surtout leur en position de force. C'est là ça la paix les deux bagages. Mais si c'est parce que ou en position de faiblesse pour demander la paix, sont leur stratégie liée. Mais tout le monde connaît la loi du nombre, ça le représente au niveau de la démocratie. Donc si nèg la en majorité sont avlés. Ça me t'a voulu dire bon métaphore. Il y a des bagailles sous caprin prendre même pas capable. Sous caprin ou mettre prendre. Mais si c'est moi pour baoul, pas capable. Ça veut dire que ça veut dire par exemple, nèg yo mandé 4 commissions. Yo mandé que yo gain finance, affaires étrangères, agriculture et affaires sociales. Ça veut dire que l'on mandé là c'est pour ta caprin. Sous caprin prendre. Mais si vous ne pouvez pas prendre un bacabaoul. Ça nous propose. Nous avons d'autres propositions faites. Il y a une commission de planification, il y a d'autres commissions qui sont capables d'intéresser un peu le monde. Mais que les gens disent que eux-mêmes, ils veulent ça, si ils ne sont pas joignés, ils ne sont pas blancs. Ou bien dit le fait que la majorité a qu'à prendre. Ils disent qu'à prendre, ils prennent. Et s'ils ne veulent pas prendre, ils ne veulent pas prendre. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais ça ne veut pas dire que le plus fort a toujours raison. Il faut être clair. Même Abdou, la loi du nombre en démocratie, c'est un bagage qu'on ne peut pas empêcher. Nous avons quitté le Parlement haïtien et j'ai noté annoncé dans la gratitude. Opération pour régulariser les affaires vite-tête et Géofa après poursuivre. D'après ça, secrétaire d'État sécurité publique, là, Léon Rossard Saint-Cyr, fait connaître. Secrétaire d'État a déclaré qu'il a déjà constaté une amélioration pendant le dernier jour sur la question de cela. Cependant, de ajouter tout permis tenté à Géofaire toujours va là-bas, mais cependant, service là campé. Secrétaire d'État Saint-Cyr exhorte responsable dans l'État pour ses citoyens pour faire bonne utilisation matérielle à Sayo pour faciliter la circulation tout le monde. En nous suivant extrait dans Miko Esaïe Aurélus et Maurice Oblige. Nous ne pouvons pas suspendre, nous ne pouvons pas le prendre de manière plus correcte. Parce que si la balle en veut-on voilà,
au cas où Jacques Baldel vient prendre autorisation la main nous et puis sans bagarre monde ça a été suffisant la police déjà. Donc il est marqué au fait des anciens TAM pas pour tout faire des débuts encore. Donc ça dans tout. Donc c'est juste la fond aux gens on a plus contrôle sur vite intérieur. Et là qu'on fait bien. Et ça m'a dit des petits problèmes au commencement effectivement par rapport à notre sortie que quelqu'un monde qui pensait que suspend les lunettes. Il faut essayer de comprendre que ça c'est là pas valide non, les valides. Mais là bas dans ben, l'autre date pour nous reprendre dans la règle de l'art. C'est de ça qu'il s'agit. Mon grand problème que qui pas récurrent ou bien qui pas demise qui fait tout le monde lié c'est le kidnapping là. C'est parce que la police à DCPJ font gros effort pour finir qui fait que nous pas parler de lui encore. Mais pas gagnon seul cas kidnapping qui était fait sans pas envie de tenter. Ce qui signifie au monde qui était pompé texte pour envie de tenter pour faire le bagage. L'autre information dans le journal là, environ 400 écoles pour remettre liste décision fin année 2016-2017 dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Directeur général du ministère expliqué papier ça a été déposé depuis 18 août 2017 dans l'idée pour capable aider élèves qui dans établissement ça yo gain accès à examen l'état ministère éducation nationale offre une autre occasion ba responsable l'école ça yo qui doit passer déposer liste si la yo fin année dans local inspection générale MNFP sorti 22 janvier pour arriver 2 février 2018 qu'on a pas vite suivre décision fin d'année. C'est un bagage automatiquement année a fini l'école doit remettre et c'est pour raison ça ministère de l'éducation nationale qui décidé pour exercice 2016-2017 là pour l'école doit remettre décision fin d'année depuis 18 août 2017 et jeudi à nous 18 janvier nous gagnons plus que 400 l'école qui pas remettre décision fin d'année. Nous voulons signaler avec toute direction de l'école ça tout à partir de jeudi a yo pas gagné rapport pour remettre document que nous les décisions de fin d'année, les formations de classe et du formulaire à direction départementale de l'Ouest là. La direction générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de déposer les listes de décisions de fin d'année 2016-2017 au local de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cisa Musso, Delma 60 au numéro 2 de la route de Mesva. Siège Delma, il a déposé dossier ça, 22 au 24 janvier. Siège Pétionville, il a déposé dossier ça, 25 janvier. Arcaye, Cabaret, Casal, Montoui, yo tout, il a déposé 26 janvier. Léogane, Grand Guave, Petit Guave, Lagunav, yo tout y a déposé 29 janvier. Port-au-Prince, 30, 31 janvier. Carrefour, 1er et 2 février. Passé ce délai, aucune considération ne sera prise en compte. N'a toujours été dans le même dossier celui-là. Yon l'autre bord, directeur Bunex là. Renan Michel a expliqué ensemble le processus et puis dénoncé plus loin l'école sa yo d'après lui qui a fait en passé yon manière pour capable régler salir les affaires corruption yo puis bien. En nous suivant extrait, Namiko Rodney Doléan et Hervé Pierre. Dis-le si c'est une fin d'année à qui salue. C'est le team nous film composé dans le troisième trimestre. Et bien l'école a bien canne. Depuis l'école a fini par canet, il tout gagné une décision de fin d'année. Ça lié c'est mes élèves qui étaient dans seconde, mes élèves qui étaient dans troisième, mes élèves qui étaient dans cinquième, mes élèves qui étaient dans neuvième année ou huitième année, mais qui moun qui passait, mais qui moun qui pas passé.
mais qui m'a quitté l'école là. C'est ça seulement. C'est-à-dire que, à partir du moment que l'école a fini par carnet, il a tout gagné de décision de fin d'année. Si l'élève n'a pas fait mieux en 2015, l'élève n'a pas validé. À ce moment-là, le directeur de l'école a accepté que Timoun ça, il paye seconde, il paye philo. Et puis c'est l'élève qui n'a pas dit que, ah, ou pas validé parce qu'on ne pas faire mieux en temps. Mais ça, Timoun a perdu 3 ans et les parents ont perdu 3 années, il a payé pour gagner ici. Donc c'est pour freiner tout dérapage, tout dérision qui fait que nous demandons que l'école sans qui parle de poser, il faut vérifier à ce que dans les secondes que y a bail là, que Timoun n'a fait 9e année en 2014-2015. C'est pour freiner tout dérision qui fait nous demander que faut tout bail soit déposé à temps. Et que nous disons publiquement son dernier chance que nous bail à Nissa. Parce que si nous ne sommes pas au courant, eh bien, nous dit que liste dépôt décision de fin d'année, ça yo, fait à temps pour ne pas pénaliser l'élève. Et nous croyons que, à partir de aujourd'hui, tout parent, tout élève, par les yeux fixés sur l'école, yo, pour demander l'école, yo, est-ce qu'ils ont respecté la date que le ministère a fixée. Et nous toujours dit ça. Date, ça, nous les dates importantes. Depuis un mois, mais il y a un calendrier scolaire que le ministère a mis dehors pour arriver prochainement. C'est que tout directeur de l'école connaît qui date peut déposer. Mais parce qu'on veut faire faute, parce qu'on veut faire faute, eh bien, il n'y a pas respecté l'issue de ça. Eh bien, nous dit, allez, ça, c'est Sera, CETA, eh bien, on a mis des freins à Barreja. Toujours dans ce qui concerne les affaires enseignement, pour une fois qu'on a plusieurs enseignants dans la formation initiale accélérée réalisée jeudi 18 janvier à un sitting devant le local ministère de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle dans l'idée pour demander l'intégration dans le système. Là. Enseignants, ça a expliqué l'autorité au négligé après plusieurs années passées à prendre formation. On peut vite suivre. Nous serons ensemble enseignants et FIA. FIA qui c'est formation initial accéléré. Nous prenons formation depuis l'année 2009 pour niveau 2011 et nous te promettons que nous finissons la formation, nous finissons graduer, nous avons intégré nous dans le système. Depuis que nous finissons graduer, nous n'avons pas jamais passé avec nous, nous n'avons jamais relé nous dans le ministère pour nous dire qui ça a fait avec nous. Nous avons parlé de toutes les entités, nous n'avons pas jamais parlé de FIA. Nous-mêmes, nous sommes la première cohorte FIA. Nous sommes à ce que pour y nommer tous les trois parents ensemble. C'est ça nous-mêmes nous demandons. Nous ne prenons pas le Chili, nous ne prenons pas le Brésil, nous ne prenons pas le Zambie. Nous-mêmes, nous devons rentrer en dedans système avec toute force nous pour nous contribuer, pour nous gagner un pays solide et d'hommes, pour nous gagner une éducation de qualité en deux pays. Boule Madigra, c'est un nouveau boule responsable de l'autre État haïtien lancé pour la période carnaval. Qui lui peut permettre à la population de jouer loterie et puis gagner pour premier lot 100 000 gouttes, deuxième lot 50 000 gouttes et puis troisième lot 25 000 gouttes. Directrice générale de loterie l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, dit que c'est une façon pour permettre à la population haïtienne de rentrer en Ticoba pendant la période carnaval. En nous suivant extrait dans la déclaration de Marie-Jolie à Claude d'Alijajac. Nous avons un nouveau produit nous mettons dehors qui c'est boule madiga qui commence à vendre depuis dimanche là. Nous avons demandé toute population pour jouer avec nous. Prix boule là c'est toujours 25 gouttes tickets et si vous voulez acheter un bloc, bloc là c'est 1250 gouttes. Premier prix là c'est 100 000 gouttes. Deuxième prix là 50 000 gouttes. Troisième prix, 25 000 gouttes. Moun yo ka joué par mon cash à travers le numéro ça. 48 75 36 76. Yo ka rele nous tout. Dans 43 58 17 0 06. 43 58 17 0 06. Pour moun ki ta victime ou bien ki ta gen problème, vous pouvez nous donner le numéro de notre bio, mais vous pouvez écrire nous tous sur dglh2016@commercial.gmail.com. Nous avons toujours dit pour tout le monde, nous avons un seul pays, une seule loterie pour Haïti.
Secteur démocrate, opposition démocratique et populaire annoncé une marche pacifique dans la capitale pour jour lundi 22 janvier qui prend le bout devant l'ambassade américaine dans Tabar. Marche ça fait dans l'idée pour capable condamner déclaration président américain Donald Trump est à fait contre pays d'Haïti et pays africains. On a permis de suivre un extrait dans le micro. Pensez de quoi pas qu'il y a Henri Robert Chéri. Mais avec les propos racistes de M. Donald Trump, président américain, nous décidons de bailler l'activité qu'a faite lundi 22 à un contenu patriotique, une dimension citoyenne et une portée internationale. Et c'est comme ça que nous allons réaliser la marche de la dignité nationale. La marche l'a sorti dans différents lieux de rassemblement traditionnels opposition, hein? La Saline, Pétionville, Bel Air, Champ-de-Mars, Cafroy-au-Port. Kafou Payan, nous prenons le bout devant l'ambassade américaine. Voici les dispositions qui ont été prises. Premièrement, la notification constitutionnelle exigée en matière de manifestation, de réunion sur la voie publique a été acheminée à la PNH. Depuis hier, la police nationale d'Haïti gagne un document côté nous dit n'a fond marche, c'est pour la marche de la dignité nationale pour venir accompagner. Deuxième disposition, nous avons établi nous mettons nous un cordon de sécurité pour le constituer de militants de l'opposition. Parce que nous ne voulons pas avoir des dérapages dans la marche lundi. Et parce que le plus souvent, il y a une infiltration. Mais lundi, nous voulons faire la totalement pacifique, pour un cordon de sécurité. Et le premier monde qui a fait des ordres, il sera arrêté et remis à la police immédiatement. Là, nous arrivons devant l'ambassade américaine, la presse retenait ce nom. C'est le député d'Aquin, Jean-Robert Bossé, qui fait partie de la branche institutionnelle de l'opposition au Parlement, à la Chambre des députés, c'est lui-même qui pourra le porter le message final. Ce réveil patriotique qui nous a pris avec les propos racistes de Donald Trump nous exige à changer notre fusil d'épaule pour que 22, ce soit une marche contre l'indignité, une marche citoyenne. N'a pas rappelé, nous ouvrons bras nous à tout le monde, secteur droits humains, n'a plein son appel à collectif 4 décembre, à l'université, à tous les citoyens. Et n'a fait un chapitre local là, nous prêts aller à l'étranger, nous te dit la gratitude. Et bien, compte à Oboua, l'y déjà commencé pour président américain Donald Trump. Côté Sénat américain, il y a un jeudi vendredi jusqu'à minuit pour les capables de joindre un accord sur le budget provisoire. Si ça pas arrivé fait, et bien ça qui est capable de passer, et bien l'État américain pas capable de payer fonctionnaires et puis agence fédérale a obligé de fermer porte. Euronews pour plus de détails. Le président Trump vit un classique de la politique américaine. Un budget temporaire doit être adopté d'ici à vendredi minuit, sinon ce sera le shutdown. Des centaines de milliers de fonctionnaires seront mis en chômage technique, faute de pouvoir être payés. Nous avons un gros problème d'immigration et les démocrates veulent un shutdown pour éviter d'avoir à traiter le sujet. Derrière son agacement, il y a l'incertitude d'obtenir un vote favorable au Sénat alors que le temps est compté. Car les démocrates réclament, en échange de leur voix, un accord sur le sort de 800 000 clandestins. Il y a un temps pour la bataille et il y a un temps pour le compromis. Aujourd'hui, c'est le temps du compromis. Mais si ce sénateur républicain est ouvert à un accord avec les démocrates sur l'avenir de ces jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis quand ils étaient enfants, le président Trump met aussi dans la balance le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique et d'autres mesures contre l'immigration, sujets sur lesquels le compromis paraît improbable. Toujours dans l'actualité internationale, là, pour nous faire connaître, il y a une bataille faite entre force l'ordre et les civils pénitentiaires qui n'a pas qu'à mettre une mobilisation pour capablement dégager d'autres mesures qui prennent concernant les civils qui sont dans la prison. On a pas vite suivi un reportage avec Euronews pour plus de précisions. Après une nouvelle et forte mobilisation dans toute la France, les syndicats de surveillants de prison ont appelé à la poursuite du blocage des établissements pénitentiaires. Ils attendent l'arbitrage du président Macron et de la ministre Nicole Belloubet sur leurs revendications pour de meilleures conditions de sécurité. Hier, 4800 personnels étaient en grève, mobilisés dans 123 établissements. Dans ce contexte tendu à Fleury-Mérogis devant le plus grand centre pénitentiaire d'Europe, des heurts musclés ont opposé les grévistes et les forces de police.
Voilà, journal La Caba pour jeudi à mes principales points développés pour matin. Séance pour monter commission permanente dans chemin député à Paris venant bout l'urgence a été prévoir à cause des quatre blocs politiques pour que jeune consensus pour partager commission. Dans Sénat République la discussion a avancé entre différents blocs politiques pour formation commission permanente d'après sénateur Naoum Marcellus et sénateur Jacques Sauvergeon. Opération pour régulariser les affaires vite tête avec Géofa après poursuivre dans le pays d'Haïti. C'est ça, secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Wonsan Saint-Cyr, fait connaître. Et puis à l'étranger, le Sénat américain gagne jeudi vendredi à minuit pour arriver à un accord sur le budget provisoire dans le pays américain. Si ça n'a pas arrivé fait, l'État américain n'est pas capable de payer fonctionnaires LIO et puis l'agence fédérale a obligé de fermer les portes. Merci Ruben. On peut casser rendez-vous pour une prochaine sortie téléjournal et on peut souhaiter un très bon week-end. C'est un plaisir de vous dire pour nous être capable ensemble avec vous aujourd'hui. Il m'a profité du joyeux anniversaire puisque demain c'est un anniversaire. On souffle un nouveau bougie. Et bien, moi, c'est un succès. Merci. Continuité certainement de la vie. Grand-mère à continuer à protéger et certainement accompagner dans tout projet que vous gagnez. Merci Ruben et merci avec ou même téléspectateurs et téléspectatrices chaîne 8 qui toujours font le devoir pour capable de brancher la télévision nationale d'Haïti. N'a pas cassé rendez-vous dans la prochaine sortie téléjournal et information à part pour suivre son antenne télévision l'État. Bonne journée.